Coucou YouTube, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, en tout cas, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur notre Let's Play Far Cry 5, 19e épisode déjà. On s'était laissé la dernière fois, on avait fait la quête du camping qui nous avait permis d'avoir un compagnon en plus. Donc, je vous avais promis qu'on ferait aujourd'hui l'avant-poste. C'est ce qu'on va faire et derrière, nous ferons bien sûr... la quête du veto, donc si on n'est pas interrompu encore une fois. Entre temps, j'ai découvert pas mal de points de mon côté, des choses sans grande importance réellement. Donc je les ai faites en off. On va se transférer quand même au plus près de l'avant-poste, bien sûr, pour ne perdre, le minimum de temps possible. Et essayer de se tenir au programme qu'on a fixé. Ok, on est sur place, il fait jour, ça c'est cool. L'avant-poste est par là. J'ai retravaillé un peu mon armement. J'ai pris un lance-roquette, on sait jamais. Pour chasser la moufette, c'est toujours utile. L'appel bien sûr. Et j'ai changé de flingue avec le silencieux, donc celui-ci n'est pas spécialement plus puissant. J'avais juste envie de changer. J'ai ramassé pas mal d'argent de mon côté, notamment grâce à la chasse. Plus la cage de survivaliste qu'on avait débloqué la dernière fois. Toi, je t'ai vu par contre. Ouais, mais je t'ai vu trop tard. Je sais pas où t'es parti. Écoute, je te recroiserai en un de ces quatre. Moins que... Non, bon. Je te recroiserai un de ces quatre, je te ferai la misère, c'est une promesse. Je vais garder le fusil de snipe quand même. Je sais jamais s'il y a besoin de dégainer rapidement. Allez. On s'approche gentiment. J'ai entendu une dinde. Et toi par contre t'es pas une dinde. Et tu dégages quand même. Elle est où cette dinde? T'as découvert un nouveau sanctuaire? Bah écoutez. Elle me stresse, elle est là. Ferme ta gueule. Saloperie. On va aller péter le sanctuaire pendant qu'on est là. Pas l'air d'y avoir du monde. Et encore l'autre qui me chuchote aux oreilles là. Ah, ferme ta gueule, t'es là, tu me racontes ta vie. Madame la dinde. Et l'autre, je vais lâcher un chargeur. Elle a pas bougé une oreille. Pardon, madame. J'ai pas fait exprès. Désolé, je sais pas où est la dinde, hein, par contre. Ça va me faire psychoter, cette connerie-là. Elle est là. L'autre, elle se fait courser par la dinde. Elle va la buter, hein. Ça aurait pu être drôle, ma foi. J'aurais peut-être dû laisser voir ce qui se passait. Toi, tu dégages. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Ok, on prend notre route. On va éviter de trop s'éparpiller. Vous savez comment ça finit en général. Oui. Absolument. Il y en a tout au long de leur pèlerinage à la con. J'ai bien compris. J'ai bien vu. Vous pourriez les calmer un peu? Réduisez tous leurs hôtels en poussière. Ça marche. Voir un peu dans le ni oui ni non.
crois que j'ai gagné. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Un VIP. Il y a une alarme là-bas. Et l'alarme, ça m'étonnerait. Et pourtant, il semblerait qu'on ait qu'une alarme. Par contre, elle est de l'autre côté et ça, c'est pas cool. Moyen de... Ah, il y a peut-être moyen de la choper de là. Non, je suis pas sûr. Parce que ça, c'est pas le boîtier de l'alarme. Et derrière. Ah, toi, par contre, je t'ai vu, l'ami. Va dégager. Je crois qu'on s'est fait repérer, ça c'est pas cool. Ah! Bon monsieur. Ça dégage. Il dégage aussi. Ça va aller sonner l'alarme. Il faudrait que j'arrive à shooter le VIP là. Dégage. Perdu de vue le VIP, il est là. Et okay. Dégage, j'ai dit. On l'a où? Et ça a l'air. Si je prends la tyrolienne là, j'arrive en bas. Pas forcément le meilleur bail. Le problème c'est que si je shoot, je pense que j'aurai pas le temps de déployer la wingsuit. Écoutez, on va porter nos couilles. On va y aller. Et de rester discret quand même. Il doit plus rester grand monde hein, en même temps. Pire, je peux libérer le loup. S'il reste du monde, il va peut-être faire le ménage. De quel côté est la porte? Par là. Oui. Va bouffer les autres plutôt. Laisse-moi tranquille. Elle a pas l'air de vouloir. Hein. Écoute. Tu m'as saoulé. Casse-toi. Je crois qu'il a vu quelqu'un. On va en profiter. Ok. L'alarme, c'est bon. Il doit rester un mec quelque part. Notre famille ne vit pas dans un nuage numérique. Notre famille refuse les réseaux sociaux. Je sais pas où. Notre famille ne juge pas ce que vous portez. Ça doit être un petit clampin qui est en train de jardiner, je pense. Le loup nous a recramé. J'ai essayé de te laisser une chance, hein, mais bon, écoute. Hein. Pas su la saisir au bon moment. Tout à fait, Joseph. Tout à fait d'accord avec toi. Il est où le dernier là? Nous ne voyons pas notre obsession. Notre obsession pour la consommation. Ah! Tel un gouffre sans fond. Il nous faut le meilleur. Il est tout seul. Il a l'air. Pour aller avec une montre toute neuve ou encore de belles lunettes. Ah non. Et pour ranger tout ça, il y a un autre. Ça se relève. Ça se relève par là aussi. C'est bon là peut-être, non? Voilà. Mais écoutez, on a fait ça de manière plutôt propre, je trouve. Et ça, c'est cool. J'aime bien quand tout se passe bien comme ça. On perd un minimum de temps.
Allez-y, allez-y, venez. Elle est timide. Vous arrivez toujours quand tout est fini, vous, de toute façon. Faites pas style, vous êtes méfiant. J'ai vu qu'il y avait une carte, là. C'était le premier endroit investi par la secte à Octobre. Bon, d'ailleurs, c'est un bouquin. Ce serait positif pour la région. On n'aurait jamais pu deviner que ça finirait comme ça. Enfin bref, continuez comme ça. On récupère. Deux, trois petits, petits instruments. Toi, tu fermes ta gueule. Merci le copyright. Bonjour madame. Edelspirit envoie ses anges et ses tueurs faire des balades qu'ils appellent pèlerinage. Cet endroit en faisait justement partie. Alors maintenant qu'on leur a pris, ils vont vouloir le récupérer. On nous a dit qu'un de leurs groupes approchait d'ici. Il faut défendre cet endroit coûte que coûte. Il y a une mitrailleuse et des joujoux salissants par là-bas. On se met au boulot ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, vous savez que ça risque de nous perturber dans le programme, mais bon, écoutez, on a besoin de confirmer la prise de position, c'est ce qu'on va faire. Salut mec. Bonjour, monsieur. Elle m'a parlé d'une mitrailleuse par contre. Bonjour, monsieur. Ah, elle est là. On parle plein de munitions. À vous accueillir. C'est un paradis naturel ici. Ça, c'est un sacré bâtiment. Honor, voilà les renforts. Putain, c'est toi. Qu'est-ce qui tire? Ça marche. Ça, ça dégage. On arrive par là aussi. C'est chez moi ici. Ok, donc l'ouest. Par là normalement. Y a pas de mitrailleuse par contre ici. Ah si, là. Là, ça va être moins facile à défendre. C'est le Vietnam ici. Ouais. Bah après, je peux pas être partout, hein, les mecs. Hein. Il va falloir couvrir un minimum quand même. Ah, ça, c'est pas cool. Ok. Ça dégage. Pas sûr qu'on puisse remonter de là, non. Ok. Ok. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ah, il y en a un deuxième. America. Oh, yeah. Putain, troisième, toujours plus. Ça dégage. On est en train de foutre un bordel là-dedans. Ah, je vous avais pas vu, vous, monsieur. Ok. Tu m'as pas vu. Ça dégage. Ah bah écoutez, plutôt propre. Par contre, éteins le feu là. Éteins le feu. Bah voilà, bonne chose de faite.
On a fait un petit carnage hein, quand même. Hein. Je voudrais pas dire. Bon, c'est le bordel un peu partout maintenant. Parlons peu, parlons bien. J'ai promis de faire cette mission. On va la faire. Je vais juste faire le plein de mun avant. 2-3 pots à vendre. Oui, qu'il nous reste quand même pas mal d'argent. Ça, c'est cool. J'attends de débloquer le prochain point de comment dire recherche entre guillemets de façon à pouvoir débloquer la calache. Allez, nous sommes partis, 270 mètres, ça va se faire vite. Même moyen de le faire. Non, pas chercher la difficulté. Ah d'accord. Ouais, ouais, mais t'inquiète. Ça dégage. Bisous, hein. Putain, tu vas descendre loin, toi. On est reparti. J'aurais peut-être pu le faire en wingsuit, mais je vous cache pas que j'ai un peu peur de m'éclater. C'est pas très loin. Je me rappelle vaguement de cette mission. La vieille pile là-bas. Hélico là-haut. Par là. Et le veto qui est là. Du coup, je sais pas si je commence par le VIP. Moyen. Ça dégage. Ça dégage. Raté. Ça dégage. Est-ce que lui, je crois. Ça dégage. Ah, t'avais pas vu toi. On s'arrête monsieur. On l'achève pour être sûr qu'il se relève pas. Alors par contre faut éviter de traverser la grasse là. Il y a encore du monde. Hein. Je vous avais pas vu, vous, monsieur. Mais c'est un lance-flamme. Ça dégage. Bon. Et tu m'as saoulé. Bon, monsieur. Vous pouvez filer un petit coup de main, nettoyer, toi. C'est cool. Faire tout seul à chaque fois. C'est joli, hein. Je trouve que c'est joli. Allez, on va libérer les derniers. Si tu m'aides pas, merci. Avant de libérer le veto. Mais il a pris tarif, lui. Ah oui, mais relève-toi, mec, reste pas dans les flammes en même temps, t'es couillon un peu. Merci, ça va mieux. Le meilleur, le meilleur. Attends, je reviens, mec. Bon, forcément, ça va partir en drame, vous vous en doutez. On
va essayer de se mettre le maximum de monde de notre côté avant d'engager les hostilités. Un mortier ici. J'essaie de me remémorer la mission en même temps en fait. Merci de m'avoir sauvé. Je vais pas remonter là, t'as l'air con un peu là. Je fais partie d'un groupe de gens qui sont à la prison, au sud d'ici. Oui, je sais, j'en viens. Face et ses anges essaient de nous attaquer. J'étais sorti chercher un moyen de les arrêter quand la... Attends mec. Pensez à un petit truc. Vas-y, poursuis. Quelque chose pour attirer les anges. Mais les ingrédients pour la pâte sont dans mon sac, et la secte l'a jeté dans les temps. Et je sais pas nager. Je sais, c'est un scandale. Mais j'ai besoin de ce sac. En bas ! Voilà la cible ! Ok. Ok, ok. Tu veux m'envoyer où du coup ? Là ? Ça marche. Il va falloir que je nage dans cette merde en fait, c'est ça ? Hélico, toujours plus. Peut-être essayer de l'avoir à la kiss, lui. Il m'a pas vu, en fait. Hein. Okay. Allez, on est parti. Allez, Nick, fais ton taf. J'aurais peut-être dû plonger au dernier moment. Hein. Vas-y, tu descends là, non? Eh oui. Ok, est-ce que je peux remonter là? Non. Remonter par là. Ça mitraille là ou là. Alors là par contre je suis pas dans une bonne position. On a joué discret. Je sais pas s'il a eu l'hélico ou pas du coup. Non apparemment. Non c'est des mecs qu'il y a là en fait. Ils sortent de l'eau. Bonjour monsieur, je suis là. Hein. Tu vas me faire chier toi. Arrête-toi. Ah, j'ai raté. Ce que je voulais faire, il y en a un qui est en train de me poursuivre. Hein. Aïe, ça dégage. Yike, fuck yeah. Alors, par contre, là faut qu'on fasse gaffe. Ça dégage, ça dégage. On est où avec l'hélico, Nick? C'est bon? Pas de problème. Je vais t'achever là parce que. Je pense qu'il est mort. Veto? Bon, c'est bon, tu peux te calmer, ils sont partis. Allô? Moi c'est Charles. Tout ouais, je sais. Doc, mais je suis pas vraiment médecin. Je suis vétérinaire. Mais pour l'instant, je suis un peu l'urgentiste du coin. On fera avec. Soigner les blessures par balle, c'est vraiment très différent d'une mise bas. Vous pouvez me croire. Désolé, on s'en fiche. Voilà ce que je propose. J'ai trouvé un truc qui a l'air d'attirer les anges. Ce qui veut dire qu'on peut les contrôler. Je suis sorti pour faire des tests, mais tout a capoté. Putain de secte.
Je suis à court d'ingrédients, et si je reste ici, je vais finir par me faire tuer. Il faut que je retourne à la prison. Vous pouvez m'aider ? J'ai une liste complète de ce qu'il me faut. Si vous me rapportez tout, on a peut-être une chance de survivre. Oh, tu m'emmerdes. Alors, faut que j'aille faire tes courses, quoi. Mon Dieu, c'était quoi ? Tu vas où ? Rassembler des pots d'antilope intacts. Peau d'ours noir intacte. Ok. Mais encore. Ah mais tu vas m'envoyer aux quatre coins du monde en fait là. Là-bas. Hop. Mais c'est antilope partout en fait. Ok. 25 minutes de vidéo. Et on va essayer de s'avancer un peu sur la quête un maximum. Par contre, il va falloir qu'on se la joue discret. J'ai pas envie de courir après des antilopes pendant 3 jours. Un carcajou. Raté. 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 Un ours. Ça va être intact la peau là, non ? Ça va peut-être pas compter. Hein. Vous, je vais vous laisser. J'ai autre chose à faire. Regardez, des fois qu'on voit une antilope. Est-ce que je vais pouvoir passer là par contre ? Il doit y avoir une espèce de gorge là-bas. Il y a moyen, il y a moyen. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Ok. Plaisir. Il y a un sac qu'on n'avait pas vu là. Ah, toi t'as chuté toi. J'ai pas vu ça au début. Pardon monsieur. Il manque qu'on arrête de se taper ses alus, je vous le dis. On ramasse de tout sauf de l'antilope. C'est là-bas là. Ah, un mec. Un hélico encore. J'arrive à traverser la route sans ameuter la moitié du coin. Ah. Je te veux dans mon équipe. Ok, ça c'est fait. Ours noir, c'est où maintenant du coup ? Et pas lieu pour l'ours noir, c'est ça ? Peut-être pas débloqué de coin encore, enfin de zone de chasse du moins. Ça doit être ça, je pense. Dégage. Je dois pas avoir débloqué de quoi. Ouais. C'est pas un ours noir, par contre c'est un grizzly, c'est relou. Tu dégages. Donc oui, je dois pas avoir débloqué de coin de chasse pour ours noir encore. Et ça c'est chiant. Du coup j'ai pas d'indication sur...
j'étais là-dedans sur les grizzlies, les mecs. Hein. Donc oui, ça c'est chiant parce que du coup, je sais pas où aller chasser. Hein. Raté. Je t'ai pas raté par contre. Comme l'avoir entendu une bête. C'est possible d'avoir des mines. Ah. Bonjour. T'es mort. T'es mort, t'es mort. C'est comme ça, c'est la vie. On va vendre tout ça. On fait le plein de mines. Ah. Meilleur conducteur. Je suppose. Oh le mec là. Okay. On va pas s'en mêler. Donc on a toujours notre problème concernant les ours. Je pense qu'il va falloir que j'attende de débloquer un point. Ah non, ils indiquent rien. Ils indiquent rien. Écoutez, on va se retrouver bloqué pour le moment, le temps de débloquer, débloquer un point pour l'ours. Au pire, on peut peut-être essayer de faire la quête juger Cougar rapidement. Quoique. Je suis un peu pris entre deux feux, parce que je sais que là, pour y aller, il va falloir passer notamment par les mines. Je sais que c'est le bordel là-bas. Je sais pas trop où aller, en fait. Lui, il parcourt la rivière. C'est chiant. Il y a par là. Rejoignez l'usine de traitement des eaux. Rien entre deux. Arac là. Allez, je suis un petit peu pris dans un dilemme, à vrai dire. Parce que là, je sais que si j'entame une nouvelle quête, ça va être compliqué. Au pire, ce qu'on peut faire, aller libérer l'hôtel. Je pense que c'est le meilleur compromis qu'on puisse faire. On va faire ça. On est déjà à 32 minutes de vidéo. J'ai pas envie que ça parte en drame. Et de se tenir au planning. Après, en soi, le planning prévu, on l'a exécuté hein, pour le moment. Donc là, j'ai envie de dire, c'est que du plus. Sur la route, on va peut-être trouver une tanière d'ours noir. Ouvre-moi, Nick. Ouvre-moi. Bon, l'avantage, par contre, de cette région, c'est que, bah, comme vous avez pu le voir, elle est riche en gibier. Et ça, c'est cool. On peut se faire de l'argent assez facilement, à vrai dire. Je vous ai pas vu, vous. Pourtant, vous êtes plutôt massif. Encore un hélicoptère. Hein. On va l'avoir au snipe. Hein. Ah, un qui a sauté là. Un qui a sauté. Il a vu que son espérance de vie ne peut réduire à rien. Allez, bisous monsieur. C'est bon, hein, Nick, hein, j'ai réglé le problème. Je peux repartir. Un point rouge ici, mais parce que c'est
Il n'y a plus de points rouges. Ah! Ça, c'est un ours. Ça, c'est un ours noir. Ça, c'est un ours noir. Je te veux dans mon équipe. Je bute le bison au passage, quand même. Allez, ça dégage. Vite aller chercher la peau d'ours. Bon bah c'est cool. Du coup, on a ce qu'il nous fallait. Alors, je sais pas ce qui est apparu à la place, là, par contre. C'était un loup. Ok. Du coup, on va aller finir sa quête à lui, hein. À l'avant-poste la prochaine fois. Comme je l'ai dit, des fois, il y a des éléments, des événements totalement improbables. Bah là, ça en fait partie. J'ai eu la chance de tomber sur, sur l'ours noir. On va finir ce qu'on a commencé. Ils nous feront l'avant-poste la prochaine fois. La prochaine fois, promis, je frapperai avant d'entrer. Avant de la peau de l'ours tout de suite. Avant de l'avoir tué. Bonjour monsieur. Vous avez trouvé facilement ? Moi, ça m'aurait pris des mois. C'est relatif. Les anges de Feige sont de vrais zombies. On les ramènera plus après une dose de grâce pareille. Mais avec ce truc, on devrait pouvoir les rassembler pour les mettre à l'écart. Quand ce sera prêt, est-ce que vous pourriez aller faire un test sur le terrain ? Je suis sûr que ça marchera. Je suis sûr à 95%, disons. Mais il faut qu'on soit certain. C'est 5% restants qui me dérange un peu, bien sûr. Ok, bah écoutez, ça c'est fait. Forcément, faut que je prenne sa quête. Ces derniers temps. Mais là, ça va tout changer. Je dois seulement faire des tests pour m'assurer que ça marche. La secte envoie ses anges cueillir les fleurs de grâce dans une ferme près d'ici. C'est là qu'il faut aller. Au fait, ces monstres ont facilement peur. Allez-y discrètement. Placez l'appât et mettez-vous à l'abri. Je suis sûr à 75% que ma formule est correcte. Alors, c'est 20% de moins que la dernière fois, ça. Officier, tout est prêt pour un essai. Officier, tout est prêt pour un essai. Ok. Bah écoutez, ça on le fera la dernière fois. Je vais juste vendre la prochaine fois. Je vais juste vendre les pots que j'ai en excédent. Et qu'on a bien fait de pas vendre la peau de l'ours. Sinon, on aurait été en difficulté. Le petit plein de munitions qui va bien comme d'habitude. Est-ce qu'on a débloqué des points de talent? Pas spécialement. Moins. Pas assez pour que ce soit intéressant pour nous. Donc voilà, on n'a pas encore le nouveau point de résistance. Donc on va s'arrêter là les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait, partagez un maximum. Mettez un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Nous on se retrouve la prochaine fois pour la suite de nos aventures. En attendant, prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao. And then I end up losing.